première fois que vous venez dans les... C'est la première fois que je monte dans les bulles, ouais, c'est vrai. Allons-y. Donc, première question, si vous étiez présidente dans la République, quelle serait votre première mesure? Alors, il est certain que si je suis élue présidente de la République, c'est qu'il y a quand même des choses qui se passent dans la société, en particulier qu'il y a une mobilisation, des grèves, des manifestations qui ont changé complètement l'esprit du monde du travail et qui ont donné confiance au monde du travail. Et dans ce cas-là, si j'étais en mesure effectivement de proposer hein, des objectifs, eh bien ça serait l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans perte de salaire. Parce que je crois que le chômage, c'est le fléau numéro un pour les classes populaires et que c'est le seul moyen de lutter contre le chômage. Si vous étiez justement élu, est-ce que vous habiteriez au Palais de l'Élysée? Je crois que si j'étais élu, il y aura y compris d'autres institutions qui se mettraient en place où je pense que l'Élysée ne serait pas forcément décisionnel en tout comme ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que le poids des travailleurs dans ces institutions serait supérieur, qu'ils auraient justement leur mot à dire, non seulement sur les décisions politiques, mais aussi sur les décisions économiques. C'est ce qui est aujourd'hui, on voit en réalité que c'est cette économie, que c'est les possédants, que c'est les plus riches qui dominent l'économie. Eh bien, il faudrait inverser cela, et je pense que ça passerait effectivement par le fait que les travailleurs aient le pouvoir, y compris de donner leur point de vue, hein, et donc de diriger cette économie. Justement, là, il y a cette crise économique, cette crise financière, donc il y a tendance justement à vous donner raison. Vous êtes justement, votre programme, il est dans le bon timing, hein, pour le coup. Écoutez, je ne sais pas si... En tout cas, nous, on ne se réjouit pas hein, de cette crise. Cette crise, elle est supportée, en premier lieu, par les classes populaires, les retraités des classes populaires, par les travailleurs, par les chômeurs, par les plus pauvres. Hein, le poids de cette crise retombe exclusivement sur eux. Donc nous ne nous en réjouissons pas. Maintenant, c'est vrai que cette crise, elle met en lumière le fait que finalement, ceux qui ont le véritable pouvoir dans cette société, c'est ceux qui ont de l'argent. C'est les capitalistes de la finance, les capitalistes de l'industrie. Hein, nous ne faisons pas, nous ne disons pas qu'il y a la méchante finance d'un côté et les bons industriels de l'autre. Nous pensons qu'au contraire, leurs intérêts en réalité sont entremêlés, que les uns apportent des milliards d'aliments à la spéculation aux autres et que c'est l'ensemble du système qu'il faut revoir. C'est un système qui est basé sur l'exploitation, le fruit du travail de chacun finalement est accumulé dans les mains de quelques-uns et ce sont des profits qu'on retrouve non plus utile à la société, mais qu'on retrouve à alimenter la sphère financière et donc à mettre toute l'économie par terre. On est dans une économie complètement folle. On sent quand même chez beaucoup de citoyens français qu'il y a besoin de changement. Est-ce que vous, à travers votre marathon, à travers la France, est-ce que vous ressentez ce besoin sur le terrain? Ce qu'on ressent, c'est aujourd'hui beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, parce que c'est vrai que tout le monde comprend bien que... il y a une épée de Damoclès sur notre tête, à tous. Hein. Le chômage, aujourd'hui, c'est un problème qui concerne tout le monde. Personne ne peut se sentir à l'abri, ne peut se sentir protégé de cela. Même pas les ingénieurs, même pas les cadres, même pas ceux de ST Microelectronics. Hein. Je pense que même eux savent qu'ils sont des chômeurs en puissance, comme les autres. Et cette angoisse-là, on la rencontre, avec bien sûr aussi... l'angoisse de se dire est-ce qu'on arrivera hein, à payer toutes les factures, à remplir le frigo, à assurer le niveau de vie qu'on avait, est-ce qu'on arrivera à payer les traites de la maison. Donc tout ça, on le sent. Et nous, ce qu'on espère, c'est que cette inquiétude, eh bien, elle va se transformer en prise de conscience que les travailleurs sont en mesure de peser sur la situation, de changer les choses et de faire en sorte que cette crise, eh bien, elle soit pas payée par eux, mais qu'elle soit payée par les responsables et par ceux qui ont de l'argent. Et qu'on utilise cet argent et les profits qu'il y a dans la société pour justement sauvegarder les emplois, sauvegarder les salaires, le niveau de vie de chacun, sauver finalement la seule classe utile à la société, c'est-à-dire les travailleurs. Et j'espère que cette confiance-là, elle reviendra très vite, parce que je crois qu'il n'y a que ça. Hein, les travailleurs, il faut qu'ils comptent que sur eux-mêmes pour se protéger. Il ne faut pas qu'ils comptent sur les dirigeants. Ce qu'on voit, c'est que les dirigeants politiques, ils ont le souci de protéger les banquiers et les industriels, mais les chômeurs, les travailleurs, ce n'est pas leur problème. Donc il faudra effectivement réagir collectivement, je crois, qu'il faudra renouer avec les luttes, avec les mobilisations sociales.
Et vous, juste personnellement, dernière question, sur votre campagne présidentielle, là vous parcourez la France, vous avez un emploi du temps très chargé, comment vous tenez la forme? Parce qu'effectivement, moi j'ai besoin de me faire connaître. Arlette Laguiller a incarné Lutte ouvrière pendant des années, elle était très connue, elle a participé 6 fois à l'élection présidentielle. Et de ce point de vue-là, moi j'ai besoin aussi d'être davantage identifiée. Donc effectivement, je mène une campagne militante, mais moi, comme tous les autres camarades, et vous savez, notre campagne, elle sera réussie si on aura atteint l'objectif de discuter avec des millions de travailleurs, de jeunes, de retraités, des classes populaires, et les avoir convaincus qu'on peut changer les choses.